Salut à tous les amis, c'est Benoît et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Monaco Tribune. Aujourd'hui, on est à Menton, la ville du citron, aux portes de l'Italie, et je vais vous faire découvrir son marché, un marché qui date de plus de 120 ans maintenant et qui est sûrement l'un des plus beaux en France. Donc suivez-moi, c'est parti. Ma mère, elle est arrivée ici, là. Ma mère venait juste ici. Quand elle avait les coups de mer, elle est arrivée jusque là. Là, vous avez l'impression, là, ils tiraient les bateaux. Celui ici, sur la... où le marché est là, ils tiraient les bateaux. Ouais, regardez, vous avez là, toute la plage. Déjà, ils mettaient le linge à sécher sur les galets. Maintenant, si on mettait le linge à sécher, vous ne trouvez même plus le pince à linge. Ça, sur les spécialités provençales, vous avez la maréquille, c'est le macaron traditionnel. Plus ici est tendre, c'est croustillant sur les côtés, tendre à l'intérieur. Vous avez le classique qui est à l'amande, et après on décline plusieurs parfums. On va aussi faire le croquant, un peu comme tutti en Italie, ou le casse-dent, le croquet, le calistrelli en Corse, sur des produits méditerranéens. Et alors ici on a la navette. Ça, c'est un produit spécifique de Marseille à la base, et depuis pas mal d'années, elle est rentrée dans les 13 desserts de Provence. On la retrouvera partout en France. Bonjour Benoît. Alors, je suis patatier. Je m'appelle Christophe et je suis patatier dans le marché de Menton depuis 25 ans. C'est agréable pour plusieurs raisons. Déjà pour le côté transmission. Et puis le Menton est assez cosmopolite, hors Covid bien sûr, donc j'ai pu servir le monde entier ici. Alors comme vous avez pu le voir, on peut retrouver pas mal de spécialités locales, que ce soit niçoises, italiennes, provençales, et franchement ça fait super plaisir, il y a beaucoup de spécialités à découvrir, que vous soyez de la région ou non, c'est vraiment un endroit à venir voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite forcément à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et à la newsletter de Monaco Tribune, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Monaco Tribune. Ciao tout le monde.